vallée profonde, comme ta gorge. Femme. Ah non. Ah, ah oui. Bah, oh. Vous croyez que seul le doyen des mages de guerre. Le doyen. Peut ouvrir de nouvelles failles. C'est pas toi. Qu'est-ce que tu sous-entends oui. là. Ben, on est les deux derniers mages de guerre. Et tu es vieille, plus vieille que moi. Mm-hmm. Best, ah, je boulet, peau, hein. Je veux dire, ever. T'as le bon reste. Oui, mais encore. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Du cellophane, alors. Bonjour à tous, Kellaris en 30 et Dashington. Dashington. Pour la suite du Let's Play sur Orcmouth Die 2. Ouais. Alors, il y a aussi un truc qu'on vous a peut-être pas dit, c'est quand on appuie sur B, nous, pour afficher notre grimoire, au-dessus, on a la liste des ennemis qui apparaissent. À savoir, ah oui. Juste. Des ah orques ouais. de guerre moyens, des arbalétriers orques, des orques de guerre lourds, donc des orokai, des sapeurs kobolds. Ça, c'est de la merde, vous verrez bien. Oui, ça, c'est des salauds, des élémentaires de terre et des scouts kobolds. Vous pouvez voir ça de plus près, en fait, parce que c'est vrai que les kobolds, d'habitude, ils courent tellement qu'on les voit pas. Donc, voilà. C'est ça. Et ça, bah, c'est pareil, mais c'est juste que ce sont des kamikazes, donc... Ils n'ont aucune chance. C'est des vieilles merdes. Bon. Exactement. Je vais garder... Non, je vais enlever le trampoline, c'est pas utile pour cette map. Du coup, je vais prendre les nains. Au cas où. Même s'ils sont pas très forts, mais bon, bref. On va faire avec. Ouais, et puis merde, non, je vais prendre le trampoline, on va bien voir ce que je peux faire avec. Voilà. Ah, c'est bon, j'ai placé mes trois pulvérisateurs de. Alors, aussi, on a un nouveau truc ici, ce sont des barricades. Oui, nouvel élément de jeu, on va pouvoir débloquer d'ailleurs après cette partie, on pourra en placer nous-mêmes. Elles sont destructibles. Oui, donc en voilà. En fait, voilà. Et dans le premier, je sais pas si elles l'étaient. Enfin, là, je sais qu'elles le sont. Et voilà. Et en fait, vous allez voir que les kobolds, avec les kamikazes, là, avec leurs bombes sur le dos, ils les pètent en 2-3 coups et ça c'est trop. Le tout. Voilà. J'ai trop faim. Ça n'a rien à voir. Ça sent le chorizo, je sais pas pourquoi. Il y a pas de chorizo chez moi, mais. Dieu. Quand vous voulez. La musique fait un peu Seigneur des Anneaux, hein, quand même. Da 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 dum 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 dum. La tournée de Tivita, mais. Un trampoline, en fait. Hein? J'ai mis une trampoline devant la dernière barricade, comme ça, s'ils arrivent jusqu'à là-bas, bah, ils sont repoussés 10 mètres en arrière. Ah, c'est bien. Donc voilà. Hop, c'est parti. Chasse est ouverte. Chasse est ouverte. Faut plus sortir. Ils arrivent! Fais un mage noir. Harry, attention, prends ta baguette. Quoi? Oh oui, ta grosse baguette, Harry. Ah, on n'a pas vu même. La grosse. Oh, hein. Ah. Ça, on a vu une même, par contre. Quoi? Ça, on a vu le même, par contre. Ah, ouais. C'est voilà. Si tu pouvais. Épisode, n'a pas de. Ah, ouais, ouais. Si Peggy 18, Peggy 18. Si tu pouvais éviter de parler tout ça, quand on sera à Poudlard. Oui! Ah. De parler du moment où t'as essayé de me mettre la balai dans. Non, 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 non! Mais ouais! Ah merde, j'ai failli tuer ton mec. Bah, ton mec. Mon orc. Bref. C'est bien parce que quand ils explosent, quand ils meurent, en fait, ils font une explosion, tu vois, genre bam! Ah bon? Ouais, regarde. Ah oui! Voilà. Et ça j'ai vu une explosion tous. D'amour. De l'amour! Bili bili! Mouais! Je vais mettre le skin pour le prochain. Le skin normal pour le prochain épisode. Et moi j'ai juste mis une voix pour qu'il voit. Mais... Oui, oui, oui. Pour qu'il. Oui. Ouais, c'est ça. Oh, regarde Kev, ce qu'on peut faire! On peut taper dans les chariots, ça balance du feu sur toute la. Oh! Regarde, regarde! Ah! Trop bien! Merde, kobold! Ah! Attends, je balance un chariot. Cul. Voilà, ça servait à rien. Si, t'en as tué. Ouais. Ah, beaucoup, mais t'en as tué. Et hop, j'installe mon nouveau piège, ma carte piège. Tu es tombé dans ma carte piège, Kaïma. Et un de moins. Putain, mais saloperie de kobold, t'as fait détruire les barricades en un coup presque. Les armes étriées. Oula! Ça c'était bizarre par contre. Ton personnage vient de faire, c'est assez bizarre, tu comprendras quand tu verras l'épisode. D'accord. Je vais devoir passer la chaîne en plus 18 en fait, c'est maintenant.
Dis-moi le let's play. Ah yo, je vais crever. Il va y avoir de la vie quelque part. Attends. Quoi? Voilà. Oh, c'est gentil ça. Comment t'as fait? Parce que c'est une amulette, c'est la... On a gagné dans le deuxième niveau. Ah. Je voulais voir un peu le nom, mais en fait il n'est pas écrit donc. Mourez. 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 Non, meurs, meurs. Ça fait très mal ça. En 2-3 coups, si on a 2-3 qui explosent près de vous, vous mourrez d'un coup donc c'est ouais, ça. Complètement. Ça fait tellement mal placé ça. Hé hey, vous. Vous passez là. Ça se passe comment ton côté? Ça va! Oui, je sais pas si on l'a dit, on peut placer des pièges pendant les vagues, mais on peut pas les vendre. C'est ça. Ça, on vous dit tout. Aujourd'hui, on vous dit tout! Ah. Secret d'histoire avec Stéphane Bern, bonsoir! Dans notre ville de Putier-sur-Marne, nous avons trouvé la solution. Nous baisons les morts. Non, je déconne, il n'y a pas ça. Ah. Cette violence. C'est l'heure du bain, les enfants. T'es complètement taré, j'adore ça, c'est trop sexy. En fait, j'ai acheté un truc pas mal, hein, mais que, regarde, tu vois, regarde mon piège là. C'est une baliste, mais que pour les trucs en l'air. Je me suis fait... Et en fait, il faut que j'achète une amélioration qui coûte je sais pas combien de crânes pour le... Attaquer en bas aussi. Pour le mettre sur les murs et que ça puisse attaquer en bas. Tiens. Je me suis bien fait baiser là. Bordel là. Putain. À moins que tu n'utilises autre barre. Bordel. Le poids du dragon. Attends. En fait, les trucs d'acide. Là. La base. Hop là. Hop. Ah, pas mal, oui, les trampolines en effet. Sécurité. Et sécurité. Bon, je te parle de sécurité. Les enfants, on fait attention. C'est parti. Sapeur. Ah. Cours. Il y a de la santé pas loin là-bas, près de, des pics du côté droit, si j'avais suivi. D'accord. Enfin, le truc qui est cool, c'est que... Il n'y a pas de temps de latence, etc. apparemment. Ça, c'est vraiment cool. On n'a pas de problème de lag en tout cas. Ah non. Peut-être ta connexion ou quoi, mais en tout cas ça reste ma connexion. Ouais, ouais, là j'ai une bonne connexion. Moi pas. J'en ai jamais eu. Pour ça que j'héberge. Même si avant c'est moi qui hébergeais les serveurs Minecraft, etc. Oui, non, mais, ça faut, parce que j'étais le seul à savoir le faire en fait. Mais... Du coup. Y'a du. Putain, y'a du monde là. Oui, oh, oui, oui. Par le pouvoir du. Voilà. Ça voulait pas venir. Par le pouvoir. Par le pouvoir. Hey, par le. Allez. Par le pouvoir du squelette. Et il les défonce. Il passe à côté mais il les défonce. Mais bordel de merde. Il se passe quoi là? Y'a des promos ou quoi? Comment ça se passe? Y'a des promos Steam? Mon dieu Gabon, qu'as-tu fait? Oh là 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 là. Ça va. La vague suivante, vite, prends ta santé. Oui, alors. Vas-y. Il y en a quand même ici, si jamais. On va essayer de ne pas perdre de points de faille. Ouais, 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 t'en fais pas. Ah, je dis ça et je vais me faire défoncer par des sapeurs. Ah, mais non, je me gratte. Donc là aussi, vous voyez que ça devient de plus en plus long l'émission aussi, parce que là, c'est 8 manches. 8 vagues, pardon. Alors qu'avant c'était 5, donc je pense que c'est vraiment compliqué. Ouais, ouais, c'est pour ça. Mais du coup, vu que c'est plus long, on a quand même plus de temps mort, etc. pour pouvoir faire des pièges. Ils sont dans le Hall West. Ils sont dans le Hall West. Il y a une brèche dans la forteresse. Il faut battre en paix. Prête. Pas en retraite. Ils sont dans le Hall Est. Ils sont dans le Hall Est. Alors, faut battre en retraite aussi. Dégagez!
Les trampolines démoniaques vont vous tuer. Par contre, allez s'il vous plaît, par contre. C'est pas cool. Ça passe trop bien ici, par exemple. Oh merde, genre. Hey, il y en avait combien là? Genre la barricade, ils ont pété deux d'un coup. Je pourrais faire ça tous les jours. Putain, mec, sous monte. Ah! Pieu affûté, dites bonjour au pied des du coup, je remplace les barricades par des pics alors. Sapeur. Des kobolds. En fait les kobolds, ouais, je confirme, ils activent les pièges mais ils meurent pas. Ça. Ils font juste chier en fait. Ok, est par contre. Waouh, j'ai explosé les scores là. Allez. Oula, nice. Ah, c'est les pièges. Oh merde. Ouais, on a oublié de dire qu'il y avait des pièges sur la map de base. Toi, dégage. Oula. Merde. Oh merde. Mais ça passe pas mal ici. Ça va au milieu ou pas? Ouais, bah il passe sur le côté. C'est trop bon. Ah oui, il y a plus de barricades ici, juste. Ouais, j'ai dit, ils ont pété d'un coup, ça a fait les deux. Mmh. Ah, mon doigt. J'adore le trampoline, c'est vraiment génial. Mmh. Ah, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui, deux, là un, ok, les mecs, ils passent dans les décors, tu sais. What? Ok, ils étaient dans la warp zone de l'amour. Sans déconner, il est... Ah voilà. Je suis génial. Plus qu'une vague, E2. Et là... J'ai déjà dit. Là il faut faire les pièges, je pense. Faut qu'on... Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. Faut qu'on fasse la sécurité, les gars. Complètement. Alors... Où est-ce qui passe le plus? Attends, là où il n'y a pas de barricade, on va un peu mettre ça la blinde. Attends, traces. On a mis déjà, c'est bien. Là... 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 Alors, Ok, moi c'est bon. Au pire des cas, je vais quand même mettre des pics devant les portes au cas où ça passe vraiment. Peut-être moi de les ralentir encore grâce à ça. Ah non! Le trampoline! Voilà! S'ils arrivent devant les portes, ils se font catapulter, donc on a une chance encore de les dégommer. Par contre, fais gaffe aux sapeurs. Ça a commencé direct. Juste. Donc. Les sapeurs arrivent, j'ai le service de chambre. Allez vous faire exploser, oui, c'est bien. Sur les barricades au début ne servent presque à rien de toute façon. Donc... passer par le côté. C'est quand même gore à ton acide. Oui, un peu, ouais. Élémentaire de pierre, par contre, va faire plus de yu. Tu un crâne? Ouais, un crâne. Il a dit mon précieux. Ok. Oh putain, le milieu. Oh la vache! Oui, c'est vraiment. Oula, oui. C'est vraiment. C'est vraiment, vraiment! Mais vraiment, hein! La mulette d'eau, c'est vraiment chutier. Par contre, elle use beaucoup de mana, c'est chiant.
Allez, allez. Bienvenue à Massacre City. Population. Arrête tes blagues de merde. Quoi? Merde. Bienvenue à Massacre City. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es là-haut? Fort. Par contre, ça va être dur la dernière, je pense. Ah, c'était pas la dernière. Ah putain. Non. C'est l'heure du bal. Ça change la couleur. On sent plein de kobolds. Putain, mais merde! De mon côté du monde. J'en fais des morts. Ok, dans mon côté, il y a que des kobolds, il y a que des gros lourds. Mais précieux. Attention! Merde. Il y en a aucun qui est passé encore. Ah ouais. Aïe! Ils font mal les archers aussi. Ouais, les archers. T'as les élémentaires de pierre, vous avez combien là? Ah, t'es travaillé pour les orques, on est plus gentil. Les chapeurs! Bienvenue à Massacre City! Population, les orques! J'étais leur reine avant, hein! Enfin, mon personnage. Comment? Mon personnage était la reine des orques en plus. C'est ta faute en fait. Encore un crâne? Ouais. Ça va de ton côté ou quoi? Au milieu, ça va, il y a assez de pièges. T'en crois plein pas. Toi, ça va? Ouh, oui. Je te défonce. Ce qui est bien, c'est que je peux les laisser se battre entre eux un petit moment, puis après j'y retourne, comme je les envoûte. Et en plus, ça recharge les pièges, donc dès qu'ils passent dedans, bam. C'est parfait! C'est parfait! Oh là là! On a fait un perfect sur une map qui était quand même assez compliquée. Ouais, 4! Bien ça! Mais ça motive à essayer de les bien protéger du coup, tu vois. Oh, parfait ça! Parfait, parfait, parfait! Barricade aussi, ça pourrait être pratique, du coup. Ça peut être pratique, ouais. 10 nouveaux crânes, putain! Ouais, pareil. Donc, ouais, quand on ramasse un crâne, c'est commun en fait, apparemment. C'est cool. Qu'est-ce que je peux acheter comme amélioration? Le piège, peut-être. Trampoline. Les trampolines peuvent parfois projeter les ennemis massifs. C'est pratique ça, je le prends. Et réduit le coût aussi, c'est pas mal. Hop. Bon ben voilà. Bon, c'est déjà fait. Donc j'espère encore une fois que vous aurez apprécié cet épisode. Je vais quitter ça. Voilà. Bah les profonds. Donc voilà. Dernier mot peut-être, non, oui. Fromage. Pour un dernier mot de cet épisode. Donc, fromage. Salut à tous. Salut, merci d'avoir regardé. Un petit j'aime ou partager, commentaire, ça fait toujours plaisir. Bisous.